Salut à tous, ici Tarscan pour Le Point Red. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Prince Kimar, un héros de la faction des rejetants démoniaques qui a d'affinité magie et qui est un soutien. Mais avant tout, je vous invite à liker et activer la petite cloche et à partager mon contenu si celui-ci vous plaît. Alors Prince Kimar, c'est vraiment, comment dire, c'est un héros qui va vous servir tout le temps. C'est un héros début, mid et late game. Il va vous carry sur tellement de contenu, rien que l'arène. C'est votre meilleur copain pour l'arène. Vraiment, partez du principe que si vous avez Prince Kimar en début de compte, tout début, l'arène, c'est bon, c'est plié, vous avez aucune excuse pour rater. C'est un héros ouf. Bon, au-delà que j'ai son frère, hein, bon, là il est niveau 50. J'ai Tyran Xymor, qui est, bon, on va dire, un copier-coller des deux. Leur skin, lui c'est la version bleue, Tyran Xymor c'est la version rouge. Ça aurait pu être un habillage. C'est un super héros. Et il est, on va dire, il n'a pas besoin d'énormément de sets pour être ultra efficace. On veut de la vitesse. Donc, on va forcément retrouver minimum, je dis bien minimum, de cette vitesse sur lui. Et moi, je prends un set perception pour rendre ses attaques beaucoup plus efficaces. Parce qu'avec ce héros, on va aller chercher plusieurs stats. La précision, la vitesse. Un peu de def et beaucoup de PV pour éviter qu'il claque trop vite. Et aussi, il faut du taux critique à 100%. Bon, j'ai eu de la chance, niveau dégâts critiques, j'arrive à le monter à 114. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. On va parler après de ces multiplicateurs d'attaque. On l'utilise pas pour faire des dégâts, Prince Kimar. Achevé, pourquoi pas. J'ai déjà gagné sur le fil avec lui parce qu'il a achevé l'équipe adverse. Mais pour son attaque A1, on a besoin de critiques. On a besoin d'énormément de précision, mais pas au détriment de la vitesse. Là, même 275 de vitesse, je vais vous dire, à mon niveau, c'est un peu faible. Après, je fais avec le set que j'ai, je fais au max. Et je me retrouve à, même si on dit toujours, ouais, les stats importent plus que le set, à un moment, vous allez forcément avoir besoin du bonus de set. Hein. Les plus 12% de vitesse, c'est, comment dire, c'est obligatoire. C'est pour ça d'ailleurs que je prends perception et pas le set précision pour son bonus de vitesse. Hein, les plus 5%, ça a l'air bête comme ça, mais ça fait toute la différence. Donc, ouais. Vitesse divine, c'est mieux, si vous pouvez lui mettre ça au lieu de juste vitesse tout court, parce qu'au moins, ça va le rendre moins squishy, plus endurant, il va vous servir plus longtemps, il pourra prendre plus de claques, parce que, voilà, c'est pas non plus un héros qui est hyper stacké en termes de def, hein, parce que là, il est rang 6, full perfectionnement, bah voilà, il a 1266, c'est pas ridicule, c'est pas la plus basse, ça fait pas lui non plus le plus résistant. Pour le stuff, du coup, au-delà des 7, on va chercher de la vitesse, du taux critique et précision. L'attaque est optionnelle. Les PV sont optionnels. C'est vraiment vitesse, vitesse, vitesse. On veut voir de la vitesse. Sur tous les 7, on voit vitesse, vitesse, et ainsi de suite. Et encore, honte à moi, j'ai pas mis les runes à 100% sur ces équipements-là. Techniquement, vitesse, là, on devrait voir que des 7 marqués max ici. Pour que ce héros soit juste terriblement rapide. Là, par exemple, on peut gratter plus 8 en vitesse avec la rune au max. Ça peut faire la différence. Hein. Je suis sûr que je le rune bien. Il y a vraiment moyen que je puisse gratter les 300 de vitesse. Les bottes, bien sûr, vitesse. Et on peut pas avoir de la vitesse en dessous. Donc, on va chercher du taux critique, de la précision, de la def PV. Pour ce qui est bague, on va chercher PV ou def. Attaque à la limite, mais on veut surtout des PV ou de la def pour éviter qu'il ne meure trop vite. L'amulette, on cherche toujours de la précision. Il faut absolument de la précision ici. Et PV ou def encore une fois. Et bien sûr, la bannière. Là, elle est en def parce qu'il y a de la vitesse sur cette bannière. Aujourd'hui, j'ai mieux. C'est vrai que j'ai pas retravaillé mon kit sur Prince Kimar. Je pourrais lui mettre mieux. Mais ici, c'est plutôt une bannière rang 6 précision. Pour que justement il vienne gratter, parce que là il est à 308, avec une bannière précision, je pourrais monter à 300, à 400. Là je pourrais actuellement monter à 400 de précision. Ça éviterait qu'on résiste à ses attaques, et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais il n'y a pas énormément de sets, on va dire, qui vont vous être utiles pour Prince Kimar, à part vitesse, précision, vol de vie, mais ça c'est pour du PvE. Donc. Voilà, imaginons que vous n'avez vraiment pas énormément de choses à proposer. Donc, un set vol de vie et vitesse, ça peut le faire, mais seulement pour du PvE.
Frénésie, mais c'est ridicule. Prince Kimar, on veut qu'il joue en premier. Implacable non plus. Voilà, sauvage, on s'en fout. Moquerie, vengeur, tout ça, on s'en fout. Vitesse divine, votre meilleur pote. Parade de vivace, ça peut être une solution si vous avez rien qui peut augmenter la vitesse. Mais voilà, je vous le déconseille. Faites plutôt parade plutôt vitesse divine ou vitesse tout court. Et perception pour augmenter sa précision. Tout ce qui va être brise affinité, fatale gelure, peau de pierre. Non, tout ça, on va s'en foutre. Hein. Même si peau de pierre. Non, c'est pas peau de pierre. C'est cette protection, je crois, qui propose de la vitesse. Ouais, plus 24%. Ça s'obtient avec de cette vitesse. Hein, donc c'est ridicule de prendre celui-là. Même si je sais que. En fait, ce serait trop bien d'avoir protection si les 12% de vitesse se retrouvaient ici avec le troisième set. Ou que les PV étaient intervertis. Protection deviendrait alors un set ultra utilisé parce que ça voudrait dire qu'en 4, on aurait un peu de résiste. La possibilité de. Enfin, il pose pas de buff, donc c'est même un peu ridicule. Mais imaginons, vous n'avez pas le choix. Protection, c'est vraiment en dernier recours. Instinct aussi, ça peut le faire. Parce que ça apporte de la vitesse, mais voilà, c'est que 12% et ça ignore la def. Tout ce qu'on s'en fout, en vrai, sur Prince Kimar. Donc vous voyez, ne retenez que 4 sets. Vitesse, précision, vitesse divine et perception. Point. On s'arrête là. De toute façon, c'est un héros qui est destiné à faire du PVP. Bien que j'en ai eu plein de fois l'utilité en PVE, mais le but, ça va être. Enfin, c'est ses compétences qui vont expliquer un peu plus. On va passer sur la partie compétences pour mieux le comprendre. Ça, d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, la nouvelle mise à jour est sortie. Donc, du coup, on peut voir. Le niveau 5 sur 5, ça c'est génial. Avant on l'avait pas, du coup il fallait cliquer, regarder à chaque fois pour voir. Et il lui faut pas énormément de book à Prince Kimar pour être efficace, hein, comme vous pouvez le voir. Il lui en faut 9. Donc Feu Fantôme, son attaque de base, il attaque tout le monde. Il a un multiplicateur de 3 dessus. Et lui, c'est un multiplicateur de 3,6 sur Regard Abyssal. Il attaque tout le monde et il place un gros debuff poison, donc la grosse version, d'un tour si cette attaque passe en critique sur tout le monde. Donc, enfin, sur tout le monde. Pour chaque personne qui va se prendre un coup critique, il va mettre un poison. C'est juste énorme. Même pour un peu de PVE. En fait, c'est vraiment l'utiliser en PVE que si vous n'avez pas le choix ou juste pour saut de magie, mais ça ira pas plus loin. Moi, je m'en sers surtout pour l'araignée, pour Regard Abyssal, parce qu'il attaque tous les ennemis, il retire tous les buffs, ça on s'en fout, place un debuff de sommeil pendant un tour. En fait, pour gérer la foule d'araignées, un petit coup de Regard Abyssal, ça calme tout le monde. Faut le booker, parce que tous les 3 tours, ça, je vous jure que ça peut devenir très long quand vous êtes en PvP et que vous avez vite besoin qu'il lâche un Regard Abyssal, parce que 5 tours, c'est pas possible. De toute manière, si vous avez un prince qui marre tous vos books, ils doivent partir dedans. Saut de magie réinitialise tous les temps de recharge de tous les compteurs alliés et rempli de 20% le compteur de tour de tous les alliés sauf celui de ce champion parce que sinon ce serait abusé et il se recharge pas Regard Abyssal hein. Pensez pas que voilà quand il claque saut de magie qui est tous les 6 tours au lieu de 7 une fois book donc ça aussi saut de magie ça va être votre meilleur pote mais son temps de recharge est très long donc vous allez vite en avoir besoin. Donc voilà, c'est mais ça pour le PVP, Regard Abyssal, oh, ça c'est caviar. Hein. Attaquer tous les ennemis, retirer tous les buffs, et placer un debuff sommeil pendant un tour, ça peut permettre de mettre en place votre strat, et du coup d'être plus efficace. Son aura augmente la vitesse des alliés dans les batailles d'arène de 30%. Et alors, j'ai pas encore eu la chance d'avoir un fragment d'âme pour lui, pour Prince Kimar. Mais pour moi, si vous voulez le jouer PVP, surtout PVP. Dans l'arène, de toute façon, Prince Kimar, 90%, il est là avec moi en arène. Chaîne temporelle, ça peut être une idée. Parce que déjà, ça vous donne de la précision encore en plus. Et chaque fois que quelqu'un reçoit un buff, il réduit la vitesse. Donc ça, pour moi, chaîne temporelle, je vais le jouer personnellement. Je pense peut-être lui mettre chaîne temporelle sur Prince Kimar. Et avec mon arbitre, utiliser présence intimidante. Mais sachez une chose, je vous conseille les deux. Je vous conseille de prendre présence intimidante ou chaîne temporelle, ça dépend de la strat que vous voulez mettre en place. Ah non, KO,
Polymorphe et souffre. Souffre, ça peut être une idée, mais plus dans un axe PvE, j'ai envie de dire, parce qu'avec son attaque de zone, son A1, enfin, et son A2, comment dire, ça peut être très intéressant de mettre souffre. Sinon, voilà, pour personnellement, moi qui vais l'utiliser en PvP, chaîne temporelle, c'est une bonne idée. Et présence intimidante. Pourquoi présence intimidante? Ça va juste rabattre les cartes. De toute façon, je l'avais dit que les grâces, ça allait être quelque chose, ça allait être hardcore à gérer. Parce que tous les héros comme Prince Kimar, ou Arbitre, ou l'autre héros, là, dont j'ai plus le prénom, qui a ce bonus de 32% en arène, s'il prend présence intimidante, je suppose que vous avez déjà lu, vous n'êtes pas débile, mais je préfère le relire avec vous, renforce l'aura de ton équipe de 2,5%. Donc là, il passe à 32,5% et affaiblit l'aura de l'équipe adverse de 5%. Donc, rien qu'un Prince Kimar Ascension 1 avec ça, déjà, il passe à 32,5 de vitesse, sachant que le but, c'est qu'il soit hyper rapide. Et en plus, en face, s'il n'y a pas cette présence intimidante, on flingue l'aura de l'adversaire de 5%. Donc, en face de vous, l'arbitre est moins rapide. Ensuite, on gagne en def pour le rendre moins squishy. Cette aura passe à 37,5%. L'aura de l'arbitre va passer à 20%. C'est là que ça devient un peu gore. Parce qu'en plus, ce niveau de perfection, d'ascension d'âme va faire toute la différence. Hein, parce que, imaginons, il y a un arbitre qui a aussi une présence intimidante devant vous. Si imaginons lui, la première étoile, et vous avez, on va dire, la sixième, allez, on va être fou, vous avez la sixième. Même si vous réduit de 5%, votre aura de vitesse, elle passe à 60% de vitesse, et l'équipe adverse perd 20% de son aura. Donc ça veut dire que techniquement, l'arbitre va tomber à 12,5 d'aura de vitesse. Vous allez, mais. La bypass, en fait, limite, vos héros vont jouer deux tours avant que les autres aient le temps, ne serait-ce que d'imaginer un tour. Ça va augmenter votre résist, ce qui est pas si con, parce que Prince Kimar, on a envie qu'il joue un maximum. Il y a d'autres spés, d'autres grâces qui permettent, comme je disais, chaîne temporelle, qu'on détaillera un peu plus après, qui permettent d'avoir un peu plus de précision, mais franchement, cette aura, c'est vraiment un caviar, parce que là, vous allez gagner de la vie, de la résist, et de la vitesse. Tout ce qu'on veut pour Prince Kimar. Donc, il va être ultra rapide, il va faire une aura de folie, et il va affaiblir l'aura adverse. Je vois pas ce qu'on demande de plus. Cage lumineux, c'est pas intéressant, je trouve, pour ce genre de héros. Chaîne temporelle, alors là, c'est très 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 bien. Parce que vous allez réduire la vitesse de l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt à jouer si vous ne mettez pas Prince Kimar en speed lead. Du coup, il va avoir plus de def, il va réduire la vitesse. Donc en plus, vous additionnez ça à l'aura maxée du truc. Pour vous donner un ordre d'idée, ça veut dire que vous allez avoir à peu près 65. Non, je crois que je me trompe. Ce n'est pas 65. Si, 65. J'étais dans les. Bon. 65% d'aura de vitesse dans l'arène. Plus votre prince Kimar, imaginons, ou votre arbitre, vous gérez ça comme vous voulez. Faut avoir les héros qui suivent, hein, je dis pas. Mais c'est une strat d'arène. Hein. Vous lui mettez ça veut dire que réduit la vitesse de l'ennemi pour chaque buff actif, donc de 15%. Donc dès qu'ils vont se mettre des buffs, ils vont se tirer une balle dans le pied. Il va aussi gagner en vitesse là. Et réduit instantanément pardon, le compteur de tour de tous les ennemis de 15% dès qu'un ennemi reçoit un troisième buff actif. Donc là, vous gagnez de la précision. Et en vrai, je trouve que peut-être chaîne temporelle, ce serait plus adapté à un Prince Kimar pour gagner de la précision, même pour le contenu PvE. Et pour une arbitre d'avoir présence intimidante. Franchement, faites comme vous le sentez. Tout dépend de qui vous avez, de quoi et où. Je sais que j'ai une chance énorme d'avoir Prince Kimar. Sachez que j'ai jamais eu arbitre en drop. Je l'ai gagné grâce aux, vous voyez, les missions à faire, comme tout le monde l'a souvent. Et avec cette strat, souvent, vous allez mais dominer le champ de bataille, mais complètement. Enfin, cette strat fera que ceux qui vont la jouer comme ça, ils vont être des first team, et ça va spammer les coups. Ça va devenir, en fait, pour moi, cette strat, elle fait qu'une équipe qui joue second,
elle joue pas. En fait, elle ne jouera jamais. Pour le contenu PvE, souffre. Ça peut... Du coup, je disais que c'était une bonne idée. Parce qu'on peut placer à 100% un châtiment, il gagne de la vitesse et de la précision, et beaucoup de PV. Donc pour contenu PvE, ça peut être très très bien. Pour envoyer une grosse météorite dans la gueule des champions. Donc le champion en dessous, debuff châtiment, seront frappés par un météore lorsqu'il utilise une compétence active. Le météore inflige des dégâts équivalents à 25% des PV max du champion infecté, et infligera également des dégâts équivalents à 25% de leur PV max à tous les autres champions ennemis. Voilà, c'est. Voilà, un seul debuff châtiment peut être actif par équipe à tout moment. Il est impossible de le retirer, de le bloquer, d'y résister ou de le transférer. C'est une idée. Déchirure écrasante, ouais, bof. Je vois pas trop. Présence imposante, c'est la version affaiblie pour moi de présence intimidante. Et je vois rien d'autre. Après, cruauté, ouais, peut-être si vous voulez faire une autre stratégie pour défoncer la def de l'adversaire. Mais même là, je trouve que c'est plus réservé à des héros d'attaque, vu qu'il y a du dégât critique. C'est pas ce qu'on recherche. N'oubliez pas de prendre en compte que ça, c'est un passif qui vous donne en plus des stats de base. Donc qui vont venir s'additionner à votre set et à vos artefacts. Donc. Faut pas forcément viser des effets de malade, faut pas oublier qu'aussi il y a des héros qui auront aucun intérêt à porter certaines bénédictions, enfin certaines grâces. Donc voilà, c'était tout pour les grâces. Présence intimidante, ne retenez que ça, chaîne temporelle et souffre. Pour ce qui est des maîtrises, il y a plusieurs écoles pour Prince Kimar. Il y a une version défense où on va essayer de le rendre très très endurant, où il va recevoir plus de soins, il va faire du mirror soins fantômes. Mort retardée, ou alors renaissant pour à chaque fois qu'il perd, il s'enlève un debuff aléatoire à 50% dès qu'il perd 25% de ses PV max, mais pour avoir châtiment, pour spammer ça, ou cycle de la vengeance pour avoir de la TB. Et moi j'ai préféré précision mortelle pour du taux critique, détermination inébranlable, frappe vive pour un peu de dégâts critiques, ciblée pour s'acharner sur ceux qui sont à moitié morts, embuscade impitoyable parce que vu qu'il va faire son A2. Prince Kimar va juste envoyer une énorme tarte dans la gueule des adversaires. Donc, je frappe à 10 000 à peu près avec les stats que vous avez pu voir précédemment. Renversez-le. Cycle de la violence. En vrai de vrai. Je devrais plutôt prendre opportuniste. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Il arrachera jamais 30% des PV max. Prenez plutôt opportuniste. Parce que si vous jouez avec certains héros, moi j'ai la chance d'avoir un mage à l'aide. Les adversaires sont souvent en peur absolue quand il envoie une patate, Prince Kimar, donc voilà. Tueur en série, ça peut le faire. Bouclier sanglant ou méthodique. Voilà. Maître de guerre pour du PvE et le reste ne vous servira à rien. Mais là, la branche soutien, c'est la branche voilà, qu'il faut absolument. Donc précision chirurgicale pour la précision. Attention décuplée pour que quand il fait son A2 pour absolument mettre en sommeil, il gagne 20 points de précision. Frappeur en essaim pour gagner 16 encore. Coutume de l'acier, c'est très très bien. Il y en a qui parlaient de cycle de magie pour réduire le temps de recharge d'une compétence, donc saut de magie. Mais pour moi, les 5% de chance, je trouve que c'est tellement conditionnel et tellement rare. C'est pas hyper intéressant. À la place de cycle de la violence, vous pouvez prendre mauvais œil. Et aussi au lieu d'opportuniste. Et vous échangerez au lieu d'avoir bouclier sanglant, vous pourriez prendre méthodique. En vrai, je pense que je serais plutôt tenté de faire ça aujourd'hui. Maître des sorts pour augmenter le temps des poisons. Ça augmentera pas le temps du sommeil, mais tir en embusqué ne vous servira strictement à rien. Et œil de lynx pour augmenter la précision, pour que vraiment, moi je l'ai axé à Rennes. Donc voilà, c'était un peu le petit tour d'horizon autour de Prince Kimar. N'hésitez pas à tester. Faut tester beaucoup les héros. Moi, je sais très bien que Prince Kimar, c'est un héros qu'on va voir aux trois quarts en arène. Et encore, je trouve qu'en termes de méta, Prince Kimar, je le vois très, 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 très rarement apparaître. Je vois plutôt quelqu'un lâcher un arbitre plutôt qu'un Prince Kimar. Alors que pourtant, Prince Kimar, ça peut avoir son importance. Surtout couplé à une arbitre, il est ingérable parce que vu qu'ils font tous les deux du boost ATB et qu'en plus avec son sceau de magie, il peut littéralement recharger toutes les compétences de boost ATB de l'arbitre, ben des fois ça m'arrive de vraiment outspeed mais à un niveau
où la personne en face n'aurait jamais le temps en fait de ne serait-ce que mettre une strat en place. Parce qu'il est soit affligé avec ma chalet de peur absolue, soit il est en sommeil. Donc en plus c'est une chance de se foirer et des fois il est en sommeil. Et en plus avec le boost ATB, c'est hyper dur de se glisser, de commencer à interrompre les coups et la chaîne de coups que je mets en place. Enfin bref, c'était Tarscan pour le point raid. Ciao!